Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme malgré le fait que j'ai très peu dormi. Je me trouve aujourd'hui en France, dans le nord de la France précisément, donc bravo à tous ceux qui ont bien deviné, pour une raison spéciale. Est-ce que vous voyez l'immeuble qui est juste derrière moi? C'est un bel immeuble de 5 appartements. Eh bien, je suis en train de l'acheter en ce moment. C'est mon deuxième immeuble de rapport que j'achète. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi je suis excité. Du coup, toute la semaine prochaine, je vais faire des actions pour pouvoir l'acquérir. Ça fait un an que je suis sur le projet. Enfin, il va arriver au bout. Donc, c'est un immeuble de 5 appartements. Comme je disais, c'est principalement de 2 pieds chacun que je vais acquérir la semaine prochaine. Donc là, je vais vous faire un tour vite fait pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Quand on dit immeuble de rapport, c'est de ce genre d'immeuble que je parle. Ce n'est pas forcément un immeuble haussmannien, mais vous voyez, ce genre d'immeuble, c'est toujours beau. Moi j'aime l'immobilier. Pendant que certains aiment les grosses voitures, les grosses chaînes ou les grosses montres, eh bien moi, c'est ça ma passion. Je suis tellement excité. C'est comme si j'avais une voiture de sport hein, quand je regarde ça. Moi, c'est ça ma voiture de sport. C'est ça tout ce que je kiffe. Donc voilà, toute la semaine, restez connectés parce qu'on va parler d'immobilier. Et ça, tout le monde peut l'acheter. Si tu vis en France, que tu as un CDI, ce qu'on appelle un travail permanent, tu peux acquérir un immeuble pareil. Et je te dis, ne passe pas à côté de cette manne. Parce qu'en France, tu peux facilement avoir des prêts bancaires pour pouvoir avoir un bien comme celui-ci. Et c'est un immeuble qui va me rapporter à peu près 2 500 euros net, c'est-à-dire sans charge de loyer par mois. Je vais transformer un des appartements qui est libre en meublé et peut-être que j'aurai 10 euros en supplémentaire. Mais vous imaginez 2 500 euros net par mois. Et pendant 2 ans, je ne rembourse pas la banque. Donc, si j'enlève les quelques frais annexes, comme l'argent que je donnerai à l'agence et tout, eh bien, cet immeuble, pendant 2 ans, il va me rapporter 2 500 et je vais utiliser ces 2 500 pour investir après en Afrique ou pour acquérir un troisième. Donc, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous devez investir dans l'immeuble de rapport. Si tu vis en France, que tu n'investis pas dans les immeubles de rapport ou que tu n'investis pas tout simplement dans l'immobilier, alors tu passes à côté de quelque chose. Voilà, restez connectés, on parlera beaucoup d'immobilier la semaine prochaine. Mais déjà, je vais vous faire visiter un des appartements que je vais transformer en meublé. Allez, venez avec moi. Donc là, c'est l'entrée. Vous pouvez le voir. On va rentrer à l'intérieur. Donc sur cet immeuble, il n'y a qu'un appartement qui est libre. C'est un immeuble de 5 appartements. Je vais vous montrer juste l'appartement qui est libre pour que vous puissiez voir. Donc c'est des appartements de 2 pièces chacun. Donc, quand vous rentrez sur la gauche, vous avez une sorte de chambre qu'on peut facilement transformer en salon. Le but pour moi, c'est de transformer cet appartement en meublé. Comme ça me permettra de pouvoir défiscaliser et de rendre ça un peu plus joli avant de le mettre en location. Donc, si vous venez par ici, vous avez le salon qui donne sur la cuisine. C'est simple, hein? On n'a pas besoin d'avoir des appartements hyper, hyper beaux. Le but, c'est de le transformer pour le rendre au goût que je veux. Donc, vous avez là le ballon d'eau chaude et vous avez ici la douche. Donc, l'objectif, c'est de transformer cet appartement qui était en location nue en meublé, de faire pareil pour tous les autres appartements jusqu'à atteindre la capacité nécessaire en termes de nombre d'appartements en meublé. Cela me permettra de pouvoir déduire pas mal de charges et de pouvoir ne pas payer d'impôts pendant un certain nombre d'années. Donc, un immeuble de rapport, c'est ça. C'est ce genre d'appartement, c'est ce genre d'immeuble qui comporte des appartements qui forcément ne sont pas chers. Aujourd'hui, cet appartement, il est loué nu à 500 euros par mois. Moi, si je le meuble, je peux facilement rajouter 50 euros. Même 60 euros, ça dépendra des meubles que je mettrai à l'intérieur. Et l'avantage de meubler, c'est tout simplement que ça partira vite sur le marché locatif. Quand l'appartement est meublé, c'est une ville estudiantine, il y a des facultés pas très loin, donc ça partira vite. Donc restez surtout connectés toute cette semaine parce que je vous emmènerai avec moi quand j'irai voir la banque pour remercier la banque pour le prêt, quand j'irai signer chez le notaire avec tous les documents nécessaires, je vous dirai tout. Pour que vous sachiez exactement tout ce que je suis en train de faire. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'immobilier. Toute cette semaine, on parlera d'immobilier. Je suis convaincu qu'ensemble, on va faire de belles choses. Merci à vous.